En forme, en forme. Nous là, n'a kembe. Tranquille. Alors, dans la vidéo aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, je vais dire une série de 3 vidéos. Nous faisons une série de 5 vidéos. Sous peu, là, disons, je fait 2 par semaine. Dans la semaine qui va venir, c'est faute de temps que la vidéo va sortir, sinon, je vais marquer. Trop souvent. De toute façon, dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de fil. Qui grosse fil pour nous utiliser dans le système d'installation par le soleil? Grosse fil est tout aussi important que l'inverter n'a pas utilisé ou bien que la batterie n'a pas utilisé. Parce que le fil là, c'est pour mener le courant à aller. Le capteur saute dans le panneau soleil pour le mener dans le charge contrôleur, à charger la batterie et puis la batterie alimenter l'inverter. Tous les 3 bagages que je vous dis là, très important. Il faut nous connaître quel type de fil pour nous utiliser. Qui grosseur fil yo et puis m'dakabzou fuse n'a mettre là dedans tout aussi important. Donc pour nous commencer et l'en parce que panneau solaire là c'est premier élément n'a utiliser c'est les nous installer deux yo et puis n'a mené fil yo vin en dedans caille même les pas en dedans côté nous dormir mais en dedans caille quelconque parce que charge contrôlé pas carré en plein air pour la pluie mouiller les gens de zéro. C'est-à-dire fil n'a qui cap saute n'a pas dans soleil pour le vin dans charge contrôleur, il est fait pour UV. Je dis généralement, on utilise mon anglais parce que filio, c'est. Et pas nous faire en Haïti. Nous avons ça en français, peut-être, mais les États-Unis sont connectés avec nous dans ce sens-là pour nous avoir tout ça nous besoin. Ou bien sur Amazon, ou eBay, ou bien on sait des bagages. Ça ne va pas faire publicité. Donc, fil capsule n'a pas de soleil pour vin na charge contrôleur fait pour UV résistant. UV ça signifie ultraviolet, c'est-à-dire faut qu'il résister avec rayon soleil yo et puis tout faire longtemps pour qu'il résister avec la pluie genre de bagage UV résistant. Ça important. Faut nous connaître fil capsule n'a pas de pour river na charge contrôleur parce que son fil qui exposé au dehors. Alors même le nous pas ta gagner comme parfois nous n'avons pas de moyens, pas de possibilité pour nous acheter fil. Il faut nous clair sur ça. Parce que gagner dans un magasin en Haïti, certes, mais peut-être on dit pour les gens qui n'ont pas trop de possibilité pour acheter fil de besoin. Parce que fil, ça va vendre plus cher que l'autre fil normal. Ça va faire clair sur les deux. Ça nous a fait que moi-même, moi toujours fait même la même fil UV résistant, mais pour le cas de plus de temps, moi toujours conduit dans un PVC. C'est-à-dire l'exposer avec le soleil, la pluie, la détériorer facilement, s'il n'y a pas UV résistant. Donc là comme ça moi juste mettre dans le PVC, PVC a venir protéger. Et puis si moi PVC commence à briser malgré mes installations fait que pour 4 ans, il y a pas PVC pour que j'aime dégrader. Donc là comme ça même 60 PVC a dégradé pour changer PVC encore et puis là pour prolonger vie fil là. Donc ça c'est premier rapport là. Et puis ça qui est important, type de fil pour généralement utiliser c'est cuivre, copper wire. Il est écrit en anglais C O P P E R. Wire, c'est fil cuivre qu'on utilise. Et puis, je vais vous parler de ce fil tout à l'heure. Je vais marquer AWG, qui c'est American Wire Gauge. Gauge, comme si vous avez dit mesure, son size, vous avez dit. En gros, gauge, ce qui signifie size. De ton pi haut dans le numéro A, fil la pi fin. Ok? C'est-à-dire, nous avons un fil 14, comparé à un fil 12. Fil 12 la pi gros que fil 14. Donc normalement, dans toute installation que moi-même je fais, petit fil utilisé c'est 10. Moi je dis nous avons utilisé 14 parce que nous avons pour éviter. Parce que ça qui a besoin de grosse fil là, c'est l'ampérage là, c'est l'ampérage qui a besoin de grosse fil. Nous avons arrangé pour nous choisir fil en fonction de courant et de poté. C'est-à-dire, il y a un fil qui fait pour low voltage, il y a écrit sur vous. Et puis dans la description, là, dans la partie là tout. Faut nous porter attention à la description parce que l'important dans le système solaire pour nous connaître ça n'a fait ou bien parce que si nous mal fait fil de bien commence à chauffer, c'est-à-dire si fil là pas qu'à porter quand c'est courant à balle porter la fait si chauffer et puis chauffer ça c'est perte bien pour nous quand on a un courant pour nous servir la carrière et puis ces fils là qu'à consommer. Donc tout ça est important et puis qualité fil là important tout parce que si nous pas prendre cuivre n'a prendre l'autre bague fait en aluminium. Fil ça y a consommé régler dans courant que nous mêmes nous besoin pour nous servir la caille non. Fil qui est supérieur, c'est à l'or même pas dire on acheter fil en or pour prendre la caille ou bien argent nous pas faire ça de ce fait prend cuivre. OK, copper wire. Donc
pour fil cap saute dans panneau soleil yo pour arriver dans charge gondolier, c'est le plus faible dans système là. Et puis ça cap saute dans charge gondolier pour aller recharger batterie, c'est le moyen médium. Et puis ça cap saute dans batterie pour aller dans inverter, c'est le plus gros. C'est comme ça logique là, c'est ça pour mettre dans tête non. Donc comme on dit non, si nous mettez dans un système qui servait avec un MPPT, bien dit oui, MPPT charge contrôleur, il y a une possibilité pour nous mettre panneau soleil en série. Nous avons mettre panneau soleil en série, le nous mettons en série, il a augmenté le voltage là, et puis il a même intensité. Et son MD dit, il faut nous mettre des bagailles identiques en série ou en parallèle. Il faut yo identique, même bagaille, ok? Donc, MPPT charge contrôleur autorise nous cap jwenn nou gros voltage d'entrée alors que PWM charge contrôleur pa bon possibilité ça konn bien ça n'a fait a qui charge contrôleur n'a servi si nous servi avec MPPT nous cap mettre panneau soleil en série des fois ba nous 100 volts 150 volts le comme ça nous pas obligé utiliser un fil et 10 ou 8 vraiment nous cap un fil 14 côté que ces voltage là cap haut et puis ampérage là très faible c'est-à-dire si nous avons 3 panneaux on dit de 11 ampères 3 gros panneaux, 300 et puis quadio de 11 ampères et puis chaque graine de 40 et 39 volts en bas de ce genre. C'est-à-dire là nous prenons 40, 40, 40, la baille 120 en bas de ce genre. 40, 40, 80, 120. 120 volts là, gain charge contrôleur qui a quitté les recevoir ça à zéro input. Mais, courant là comme ça, voltage augmenté, courant après même 11 ampères là, c'est-à-dire qu'il a passé non fil 14. C'est dans ce sens-là, nous disons, nous avons utilisé fil 14 à 0/4 pour grosseur. Et oui, kounye là, ça c'est saut dans le panneau solaire. Nous avons un shot qui gagne tout grosseur fil et puis suivant distance. Parce que distance là est important. Nous avons utilisé un fil, premièrement, pour quantité courant qui a passé là-dedans, c'est-à-dire charge ou pas mettre sous le cap, demander le courant. Et avec distance dans tout bagage, si on marche avec distance, on file 14 par exemple, on apprend pour sauter en courant dans l'espace, on dit 40 mètres, il n'y a même fil ça pour même charge contrôleur, même batterie pour le charger, il n'y a pas de mener en courant sur 100 mètres. Très important. On va le voir chat là-bas, on va le voir distance avec grosse fil pour nous servir. Et puis après ça, grosso modo, nous dit tout bagay pour nous augmenter le voltage juste pour nous pas obliger d'utiliser un paquet et gros fil, nous pas utiliser gros fil. Et puis ça qui est important tout connecteur yo, ce même fait vidéo et m'a mettre le pour nous. Et là plus ou moins nous ce même fait vidéo montrer nous comment pour nous faire jack MC4 et puis qui outils pour nous utiliser. Ça est tout aussi important. Parce que connecteur observer ali vraiment important sinon les cap bay gros problème parce que il a généré hit depuis là il a commencé à chauffer et puis on perd un paquet de courant et puis après ça pour soutenir batterie pour aller dans l'inverter c'est là on a besoin de gros fil petit fil pour nous utiliser là même si son petit inverter c'est fil 4 pour nous utiliser petit même si son petit on inverter 1000 watts alors si moins que 1000 watts au cap la chance avec fil 6 et généralement cap ouais il voit inverter avec un fil tout on respecte ça par exemple moi même là quand même mettre inverter 3000 watts non c'est de côté parce que quand pour tout prix, on va utiliser ces 3000 watts à longueur de journée mes amis. Parce que alors il faut sur tout et ne pas utiliser 3000 watts vraiment même là toujours on inverter minimum 3000 watts même pas utiliser 3000 watts là. Le ça ou faire pour protéger l'inverter là, l'inverter là marcher comme si de rien n'était, pas sentir pour la tirer gros charge. Mais quand même et puis fil moi toujours qu'à supporter 3000 watts, c'est ça me tient avec. Parce que n'importe le m'dav, les mettons faire repas ou bien mettons bagarre quelconque là. Pour m'attirer 1000 watts plus rigide et à bailler 600 watts, on va comme ça. Même l'homme d'affaire, il n'est pas dérangé parce que le système est fait pour ça. Mais si nous utilisons un inverter 3000 watts, et bien nous pensons que nous ne pouvons pas utiliser 3000 watts vraiment, nous ne pouvons pas mettre 3000 watts charge sous lui. Et puis on prend le parti dans le 3000 watts, nous allons le parce que l'inverter a demandé des batteries en pile courant. Parce que, encore une fois, si je me dis, nous sommes calcul de P égale UI. Puissance égale à U qui c'est voltage là et puis I qui c'est ampérage là, intensité là. Donc nous avons une formule ça depuis dans réto philo P égale U, I c'est le cap marcher de tous côtés. C'est-à-dire puissance que car la consommer, c'est 3000 watts.
et puis voltage là c'est 120. Alors bien entendu, ça sont l'autre calcul. Les pop 120 parce que c'est inverter qui a alimenté là. Suivant si sont 24 volts là bien, inverter après le prendre la batterie pour le voyer le balai. Là toujours tirer puissance 3000 watts là. Et puis 3000 watts, soit fait 3000 watts divisé par puissance divisé par 24, on peut quantifier là-bas et nous avons fait calculer ça rapidement. Je vais ajouter quand même, mais là, même si je vais faire 3000 watts, je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une autre vidéo sur ça pour m'expliquer notre base. Parce que c'est important. Logiquement parlant, et courant va sur l'autre côté, c'est une batterie inverter à tirer. C'est-à-dire, si je prends 3000 watts, si on tire 3000 watts et vous divisez par 24 volts, donc, pour le système 24 volts là, la baille est 125 ampères. 125 ampères, il n'y a pas tout fil qui a supporté. On file 10 pour supporter 125 ampères. On file 10 pour supporter 30 ampères. Ok? On file 8 pour supporter 125 ampères. Donc, fil qui saute dans la batterie pour aller dans l'inverter à fol pico. Et puis, si nous faisons installation sur 12 volts, bon, c'est la terrible net là. On dit divisé par 12, pour 2 fois 125 ampères, 250. 250 ampères, il faut qu'on gros fil qui peut tirer 250 ampères. Donc, grosso modo, c'est ça. C'était l'objectif. On a fait une récapitulation. On a fait un aller mener venir. Faut nous qu'on grosse fil n'a servi yo qui m'a bête chat là pour nous. Faut nous qu'on qualité fil là, qui type de fil, si c'est aluminium, si c'est cuivre, c'est cuivre qui est bon hein. Et puis le nous gain doute servi à plus gros fil à bas bon résultat qui peut plus peut moins, c'est logique là ça. C'est à dire un camion qui capote 50 tonnes de farine par exemple, il capote 10 tonnes d'eau, aussi simple que ça. Donc c'est logique ça pour nous gagner. Si nous gagnons d'autres, nous ne pouvons pas grosser le fil, nous ne pouvons pas prendre un plus gros size que nous avons à faute là. Et en gros c'est ça, je pense que cette vidéo aujourd'hui est très intéressante. Toujours suivre toutes les vidéos. Nous avons 3 autres vidéos nous pouvons le faire, comme nous avons dit une série de 5, bon on a fait 4 autres peut-être. Nous pouvons le faire quantité charge panneau, alors quantité panneau soleil ou besoin pour un système de données pour la caillou. Nous pouvons le faire pour un système courant. Et bien nous allons faire quantité de batterie ou besoin pour fournir le courant. Et puis nous allons considérer le jour d'autonomie qui est le jour côté pas bien soleil par exemple. Si nous avons un système, il faut nous faire avec 3 jours d'autonomie. Ça est important. Côté que même si pas bien soleil, pas grand rien, on fonctionner pour contre. Et puis nous allons faire ces 3 bagages, c'est charge contrôleur, amen, panneau soleil, batterie et charge contrôleur. Puis nous allons voir qui ça est charge contrôleur, qui capacité. Alors, charge contrôleur, yo lié sur ampérage. Qui ampérage n'a besoin pour charge contrôleur qui a chargé tel système. En tout cas, m'a dit nous merci. Toujours continuer à inviter les amis. Moi, nous faisons ça en pile. Merci. Subscribe sur la chaîne là. Nous besoin de support tout le monde. Et puis, commentez. Ça nous besoin poser question questions en bas pour nous faire une bonne discussion. Ok? Merci tout le monde et à la prochaine.